Ik ben onderweg naar Farah Diba, weduwe van de Iraanse koning Shah Mohammed Reza Pahlavi. 20 jaar lang stond zij naast haar man in het centrum van de macht, tot de Iraanse revolutie de eeuwenoude monarchie ten val bracht. Farah Diba is de laatste keizerin van Iran. Ze is een kroongetuige van een van de grootste omwentelingen van de 20e eeuw, het ontstaan van de Islamitische Republiek. Farah Diba is nu 78 jaar. Ze ontvangt me bij haar thuis in Parijs. Bonjour. Bonjour. C'est un très grand honneur que vous avez accepté de nous recevoir ici. Je vous en prie. Merci. Je pense même que vous avez mis la photo de notre roi et reine pour nous. Pas aujourd'hui, c'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là comme. J'avais beaucoup d'affection et d'admiration pour ça. Majesté le roi, Baudouin, la reine Fabiola. Ik herinner me de Shah in de jaren 70 als een vriend van het Westen, in het bijzonder van Amerika. We particularly welcome you and the Empress as good friends. Het was natuurlijk eerder een pact waarbij het Westen kon rekenen op goedkope olie en hoopte op stabiliteit in het Oosten. In ruil voor olie kreeg de Shah de middelen voor een groot leger en een beruchte geheime inlichtingendienst. Hij stond bekend als een rijke, maar autoritaire monarch die zijn land naar westers voorbeeld wilde moderniseren. De Shah was overal in het straatbeeld aanwezig, tot het volk massaal tegen hem in opstand kwam en tegen de inmenging van het Westen. Die opstand zou leiden tot de Iraanse revolutie, waardoor de Pahlavis noodgedwongen moesten vertrekken. Bijna 40 jaar geleden vertrokken de Shah en Farah Diba definitief uit Iran. Que vous retenez de ce moment? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous de retenir de cette date? C'est-à-dire que quand nous partions du palais, les gens étaient tristes, pleuraient, tombaient sur le pied du roi, les officiers ne partaient pas et le roi disait non, je vais me reposer, on va revenir. Et quand nous étions dans l'avion, je me suis dit, est-ce qu'on va jamais retourner ou ne pas retourner? Et déjà, à ce moment-là, on a commencé à déjà écrire des choses à certaines gens pour lutter contre ce qui se passe. De leider van de revolutie is de geestelijke Khomeini. Hij wordt gezien als de redder van het volk. Khomeini maakt komaf met de eeuwenoude monarchie. Je me souviens que j'avais dit à un journaliste, notre pays a été attaqué durant son histoire par beaucoup d'autres pays étrangers. Et toujours, l'Iran est resté, l'identité iranienne est restée. Cette fois-ci aussi, l'identité iranienne va gagner. De Iraanse studenten steunen Khomeini. Ze zijn razend op de Shah, die zij zien als de bondgenoot van de Amerikaanse imperialisten. Kort na zijn vertrek uit Iran krijgt de Shah onderdak in Amerika. De studenten eisen zijn uitlevering aan Iran. Ze bestormen de Amerikaanse ambassade en gijzelen er de diplomaten, 444 dagen lang. We are not occupiers, they said. We have thrown out the occupiers. Farah Diba zal nooit meer terugkeren naar huis. En vous-même, vous vous sentez toujours en sécurité ici? Ou est-ce que vous avez des choses à craindre quand même? Non. C'est-à-dire, heureusement, le gouvernement français me donne la sécurité. Ils sont très gentils quand je sors. Comme vous avez vu, il y a la sécurité. Mais non, je ne pense pas. Vous savez, pour le moment, je dis,
s'ils sentent que vraiment je suis en train de faire quelque chose qui peut avoir de l'effet contre eux, peut-être. Mais je dis des choses, ce qui se passe en Iran, la condition de mes compatriotes dans tous les domaines, je critique. Het leven van Farah Diba aan het Iraanse hof begint niet in Iran, maar in het mondaine Parijs, waar ze de Sja in 1959 voor het eerst ontmoet. Ah, my good old school. À gauche. Ça, c'était l'école. Ouais. Ça me paraissait beaucoup plus grand. Mais c'est toujours l'école. École spéciale. École spéciale d'architecture. Et je suis heureuse que ma mère, disons, m'a laissé faire ses études parce que c'est une expérience qui est importante dans la vie. Et dans la famille de mon père, on avait servi la monarchie avant. Et il y avait des personnes de la famille Diba qui étaient à la cour. Et... C'était grâce à ces relations qu'un jour vous avez été invité. Quand le roi allait quelque part, on invitait les étudiants pour le rencontrer. On nous a invités à l'ambassade, il y avait des garçons et des filles. Le roi était là, bon, moi j'étais ravie de le rencontrer. Et puis j'étais très touchée. Tu lui as fait un clic? Non, je ne peux pas dire. Non, pas du tout, on n'y pensait même pas. Mais je me souviens quand je suis partie, des amis que j'avais, des professeurs que je connaissais, on dit, quand tu es parti, le chat te regardait passer. Alors, Dieu, vous n'aviez pas senti? Non. Petit à petit, après quelques rencontres comme ça, et de discussions et de conversations, un jour, il se retourne vers moi et il explique qu'il a eu deux mariages qui malheureusement n'ont pas marché. Et il m'a dit, et il m'a demandé si j'acceptais de devenir sa femme. Bien sûr, pour moi, c'était une grande joie. Bien sûr, j'ai dit oui. Et ensuite, il m'a dit, vous savez, en tant que reine, vous aurez beaucoup de responsabilités vis-à-vis de la population. Mais je ne pouvais pas imaginer, disons, l'échelle des occupations que j'aurais. Madame, est-ce que le métier de reine est un métier difficile? Dans un certain point de vue, chaque personne qui sent avoir une responsabilité se trouve devant certaines difficultés. Je trouve peut-être à ce point de vue-là, parfois c'est un peu difficile. Mais en dehors de la vie de reine, il y a aussi la vie de famille, le mari et l'enfant. Et c'est cette vie-là surtout à laquelle on attache beaucoup d'importance. Je dois dire qu'au début, bien sûr, c'était une affection d'une personne pour son roi. Et petit à petit, tout de suite, ça s'est transformé en amour d'une femme pour un homme. Et je garde bien sûr une grande affection pour lui et la façon dont il était avec moi, avec ses enfants, avec toutes les personnes qui étaient autour de nous. De Sja was al 2 maal getrouwd, maar had nog geen troonopvolger. Daar moet Farah Diba voor zorgen. Tout le monde attendait cette naissance. Et je me souviens même quand ma robe de mariage avait été faite par Dior. À ce moment-là, Yves Saint Laurent travaillait. Les couturières avaient cousu des fils bleus dans ma robe pour que j'aie un garçon. Il s'appelle Reza, comme son père et son grand-père. Il a 11 mois. Il ne sait pas encore que les jeux de la politique sont difficiles et que l'on peut quelquefois trébucher sur le sentier du pouvoir. Niemand verwachtte toen dat de Sja de laatste koning van Iran zou zijn. Paradiba. Het wordt een sprookjeshuwelijk. De jongere Farah Diba, hoger opgeleid en bekend met de Europese talen en cultuur, lijkt perfect te passen in het Iran dat nauwe banden wil onderhouden met het Westen. J'avais ce sentiment que ce contact est important dans beaucoup de domaines pour l'Iran.
Iran zelf staat in schril contrast met dit rijke Westen. Het is aan het begin van de jaren 60 nog een ontwikkelingsland, met een feodaal systeem, veel armoede en analfabetisme. Buiten de stad is er op Koranscholen na geen onderwijs. Er heerst al jaren onvrede onder de bevolking. Om opstanden te voorkomen, moet de Sjah wel vernieuwingen doorvoeren. Aangemoedigd door Amerika vaardigt hij een liberaal en progressief hervormingsplan uit. De Witte Revolutie. D'où est venu en fait cette idée de cette révolution blanche? Il fallait faire quelque chose. Enfin, moi-même, j'avais été dans, disons, dans mon enfance, dans les villages. À ce moment-là, c'était encore les féodaux. Et j'entendais que vraiment les agriculteurs ou les paysans, comme on le disait, ils étaient traités n'importe comment par les féodaux, comme si c'était leur domestique. Et la révolution blanche, pour moi, vraiment, j'ai senti que les bases d'une société juste a été créée. Parce que, d'abord, la réforme agraire, la fin du féodalisme. Et je me souviens, les agriculteurs qui venaient leur document de dire comment ils étaient heureux. Et puis, la liberté des femmes, ce qui était très important parce que il y avait trois groupes qui n'avaient pas le droit de voter, d'être élus, c'était les militaires, les handicapés mentaux et les femmes. Et puis il y avait des femmes, disons, même à ce moment-là, qui étaient actives dans des domaines sociaux. Et donner ce droit égal aux femmes, c'était très important. Et puis aussi, il y avait l'armée du savoir. Het analfabetisme, het gebrek aan onderwijs, hebben altijd de vooruitgang en de ontwikkeling van de plattelandsbevolking tegengehouden. In Iran is het origineel aangepakt. Wie middelbaar onderwijs genoten heeft en bij het leger moet, krijgt een opleiding van 4 maanden, wordt sergeant en gaat zijn hele diensttijd lesgeven in een dorpje. Het initiatief is van de Sjah zelf. C'est un peu plus que uniquement éducation. Ils aident les villageois même à construire des petits chemins, même des ponts. Et quelques-uns sont tellement, au fond, téméraires qu'ils essayent de même construire de très grands ponts sur des rivières de peut-être 200 mètres de large. Il était très populaire par toute la population. Parce que vous savez, une de mes joies maintenant, c'est que j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur de l'Iran, dans beaucoup de provinces de l'Iran, parce que je voulais connaître mon pays et aussi de voir ce qui se passe de mes propres yeux, comme si j'étais une ambassadrice du roi dans cette région pour lui rapporter ce qui se passe, ce que j'ai vu. Est-ce que vous considérez que ces réformes, que c'était déjà le bon moment? Je veux dire que la nation était prête pour ces réformes ou peut-être qu'une partie de la nation n'était pas prête? Non, je pense qu'une grande partie de la nation était prête parce qu'une grande partie, c'était des paysans, des agriculteurs. Et puis une grande partie, c'était des femmes qui avaient souffert pendant toute leur vie, disons même la polygamie était interdite. Nous, la population était prête. Bon, les religieux, comme vous le savez, certains n'étaient pas prêts parce que ça ne les arrangeait pas, ni la liberté des femmes, ni la réforme agraire. Er ging heel wat vooraf aan het ontstaan van de Islamitische Republiek. In 1963 komen de Islamieten voor het eerst in opstand tegen de Sjah. Ze zijn het niet eens met de maatregelen van de Witte Revolutie. De geestelijken hebben veel aanzien op het platteland en bij de welgestelde handelaars van de markt, de bazaar in de stad. Eén van hen treedt als leider op de voorgrond, Ruhollah Khomeini. La première fois que j'ai entendu le nom de Khomeini, c'était à ce moment-là. Et beaucoup d'Iraniens aussi n'avaient pas entendu.
je pense que nous, on était beaucoup plus inquiets par le communisme, l'Union soviétique qui avait 2500 kilometers de frontière en dehors de nous, que par les religieux. De geestelijken krijgen ook de steun van de grootgrondbezitters. Het feodale systeem komt hen goed uit. Zij vrezen dat hun macht zou aangetast worden als de gronden herverdeeld worden. Bovendien zijn ze ook conservatief. Khomeini vindt in hen bondgenoten. Vous savez, il y avait toujours des contacts entre le roi et les religieux. Et il y avait toujours une balance entre, disons, la monarchie et les religieux. Et il y avait des religieux qui étaient très respectés. Et le roi avait contact avec eux, où il y avait des personnes de la cour qui allaient prendre contact. Quand on allait, disons, dans les lieux saints, tous les religieux qui se pressaient pour être autour du roi, autour de moi-même pour faire des photos, il y a même des photos, je suis en train de leur serrer la main, ils sont en train de m'embrasser. Quelle était la place qu'occupait l'islam dans la vie du roi? C'était important, le roi était croyant, il était vraiment croyant. Quand il y a eu ces événements de 63, et le roi a senti la réaction des religieux, bien sûr, il s'est éloigné de ce qui est normal. If you're unhappy that your country is saying goodbye to a feudalistic system, if you're unhappy that half of the population of your country, the women, are emancipated, well, this I cannot help. Khomeini verzet zich concreet tegen de invoering van het vrouwenkiesrecht en tegen het toelaten van niet-moslimkandidaten bij lokale verkiezingen. Hij hitst het volk op in zijn toespraken tegen de Shah. Hij noemt de Shah een marionet van het Westen. Kort nadien wordt Khomeini verbannen naar buurland Irak. I send one of those stubborn, obscurantist clergymen abroad. He had to travel. Als aanhangers van Khomeini rellen veroorzaken, worden die door het leger hardhandig onderdrukt. این انقلاب ننگین و خونین به اصطلاح سفید که در یک روز با تانک و مسلسل 15,000 مسلمان را آنطور که معروف است از پای درآورد روزگار ملت را سیاه تر ساخت. در بسیاری از شهرستانها و اکثر روستاها دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی سالم خبری نیست. در بعضی از دهات کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا میبرند. In werkelijkheid gaat het niet om 1500, maar om 380 doden en ongeveer 320 gevangenen. Hoewel de opstand onderdrukt raakt, legt hij wel de zwakte van de Shah bloot. De machtige geestelijken van Iran vinden een alsmaar grotere aanhang. Faradiba wil me de ambassade van de Islamitische Republiek van Iran tonen. De plaats waar ze als jonge studenten in 1959 de Shah voor het eerst ontmoette, toen dit nog gewoon de ambassade van Iran was. Vandaag is ze er persona non grata. Ici, en dans la rue. C'est lequel? Numéro 5, ici à gauche. Ah, il n'y a pas de. Il n'y a rien, non? Il n'y a rien devant, c'est allez ça. Devant doucement. Vous vous rappelez? Eh oui. Oui, je me rappelle très bien l'entrée. Très bien, c'est la première. Attends, restez, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut descendre, il n'y a personne. Bijna 40 jaar na haar vlucht uit Iran is Faradiba nog altijd een staatsvijand van het huidige Iraanse regime. Bonjour. Est-ce que ça vous ferait du bien d'encore une fois entrer? Oui, quand ces messieurs seront partis. Ce moment vous entrerez. Oui, oui. Voilà. Oui, j'espère. J'espère pour l'Iran, pas pour moi. Oh, bonjour. Bye bye. On va pas trop traîner quand même. De
Sja vindt het in 1967 het juiste moment om zichzelf en de koningin te kronen tot keizer en keizerin. Le couronnement impérial, 67. D'où est venue cette décision du roi d'organiser cet couronnement, vous vous rappelez? Je pense que le roi, comme tous les rois dans les monarchies, sont couronnés un jour. Il a attendu que le pays avance un peu, se développe. Il a pensé à ce moment-là, c'était le moment. Et je pense qu'il justement voulait donner de l'importance à la femme. Et il m'a couronnée. Moi, je disais toujours que j'ai senti qu'il a mis la couronne sur la tête de toutes les femmes iraniennes. C'était très important après des milliers d'années. Je ne sais pas, maintenant que vous me posez la question, l'idée ne m'est jamais venue. Peut-être il a pensé que je méritais. Et peut-être ça aussi, il a senti que c'est important de donner de l'importance à la femme. La robe, on ne voulait pas copier les couronnements européens. Et moi-même, j'avais voulu que ce soit une espèce de manteau. Et c'est Marc Bohan qui était à ce moment-là, qui l'avait dessiné, et les dessins. Mais ça a été cousu en Iran, les broderies, ça a été fait en Iran par une femme iranienne. Est-ce que cet événement et toutes ces richesses n'étaient pas aussi encore à ce moment en contraste avec la pauvreté d'une grande partie de la population? Non, parce que le couronnement, au fond, il n'y a pas eu tellement de dépenses extraordinaires. Les invités étaient surtout des Iraniens. Et disons que la couronne est restée dans la banque. C'est parti de trésors iraniens et les vêtements et tout ça. Oui, mais peut-être que la population le voyait autrement. La richesse des uns et la pauvreté des autres. Non, parce que... On n'a pas senti, je ne dis pas qu'on était au courant de tout, mais il y a beaucoup de choses qui arrivaient à mes oreilles. Parce que je voyageais, les gens m'écrivaient, et tout ça. Vous dites ça, mais il y a beaucoup de pays d'Europe aussi qui sont très, très riches. On voit des SDF dans la rue, même aux États-Unis, des gens qui vont chercher dans les boîtes à ordures. Alors, non. Nochtans, jaren na de hervormingen van de Witte Revolutie, leeft de helft van de Iraanse bevolking nog altijd onder de armoedegrens. Het moderniseringsplan van de Sja zat vol met goede intenties, maar het ontbreekt aan een sociaal-economisch plan. C'est un peintre iranien, mais qui vit à Los Angeles, et il a voulu faire ça, c'est-à-dire que dans le temps, c'était comme ça, la reine couronnée, et maintenant, j'essaie de cacher avec les fleurs. De voir cette tête-là, ça me fait de la peine. Je préfère cacher. In 1971 wordt het 2500-jarig bestaan van de monarchie gevierd. En wel met een gigantisch feest aan de voet van de oude Perzische stad Persepolis. Doel van het feest is om de wereld de prachtige eeuwenoude Perzische cultuur te tonen. En Iran als grote speler op de internationale markt te zetten. De Amerikaanse cineast Orson Welles leent zijn stem aan de film die dit feest en de eeuwenoude cultuur in de verf zetten. Cyrus, King of Kings. Champion, long before Magna Carta, of human rights and liberties. Cyrus, the founder of Persian culture and the father of Iran, the land, five times the size of Great Britain, which this Shah rules today. It had fallen to him, after a twilight in his nation's long history, to remind the world and his own people of Persian pride. On était fiers d'être iraniens parce qu'on avait une culture
quand même très ancienne et très importante. Et quand notre pays avait fait tellement de choses dans beaucoup de domaines il y a des milliers d'années, les pays européens qui sont maintenant les plus avancés n'existaient même pas. Et tout ça, c'était dans notre sang, dans notre fierté. C'est un peu comme le couronnement quand on me pensait, on a tellement de choses à faire, une tellement grande responsabilité pour vraiment tout. On est en train de montrer, on est en train de célébrer 2500 ans de culture et d'histoire d'un pays. De voir que tout aille bien et il faut voir tous les petits détails. C'est surtout, on est tellement occupé, on travaille, on n'a pas le temps. C'est après qu'on va peut-être penser qu'est-ce que c'était et comment on s'est senti. Maintenant, c'est le travail. Een zestigtal staats- en regeringsleiders wordt ontvangen in luxe tenten en genieten van luxueuze diners. Het is de enige keer in die tijd dat zoveel machthebbers van alle verschillende strekkingen bij elkaar gebracht zijn. Your Majesty, there are some people who feel that Iran should not be spending millions of dollars on this celebration while there are still people in need. How do you answer these critics and why do you think it was important to have this celebration? First of all, how do they know about what is spent? Really, the only expenses that are made for the festivities are the two official dinners that we are going to give our guests. This is the least that we could do for such a gathering. Vous savez, après, de nouveau, pour cette fête aussi, il y a tous ceux qui étaient contre, ont beaucoup critiqué, et les étrangers ont critiqué, mais c'était pour montrer l'histoire de l'Iran au monde entier. Het grote feest in Persepolis wordt vaak genoemd als het begin van het einde van het regime van de Shah. De viering van de monarchie was een duur feest, exclusief voor de internationale beaumonde. Het gewone Iraanse volk was er niet bij betrokken. Opnieuw raakte een deel van de bevolking ontvankelijk voor de anti-royalistische propaganda van Khomeini en zijn aanhangers. Khomeini l'a appelé une fête satanique. Pourquoi il a utilisé ce mot? Parce que lui-même, il est Satan. Est-ce que vous n'étiez pas un peu aveuglé par l'attitude de certains et alors de ne pas voir le pouvoir derrière Khomeini? Parce que de toute façon, c'est après coup, on peut dire qu'il y avait. Mais que ces gens-là pensent qu'un religieux peut leur apporter la liberté et la démocratie, c'est incroyable parce que dans notre poésie, dans nos poèmes d'il y a 1000 ans, 800 ans, nos poètes ont raconté sur ces gens-là ce qu'ils ont. Je ne dis pas tous. Par exemple, Omar Khayyam, qui est un poète qui est le plus traduit en langue étrangère, il dit aux religieux, tu me critiques parce que je bois le sang de la vigne. Alors que toi, tu bois le sang des gens. Il a dit ça il y a 800 ans. Et quand il est mort, les religieux ne voulaient pas l'enterrer dans une cimetière religieuse. Ils ont pris son livre avec une pince, comme ça. Est-ce que vous considériez les religieux de telle façon comme, est-ce que j'ose dire, des arriérés, parce qu'ils ne comprenaient pas cette grande histoire d'avant l'arrivée des Arabes, l'arrivée de l'islam? Vous savez quand... Disons franchement, quand je pense dans la période avant les mouvements, je ne pensais même pas à eux. C'était pas un problème. Je les voyais quand j'allais dans les lieux saints. Ils étaient très gentils avec moi parce que je faisais des œuvres sociales et tout. Mais oui, on les considérait un peu comme arriérés qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Het doel van de Shah om met dit feest Iran te promoten in de wereld is mislukt. Ook internationaal komt de Shah alsmaar meer onder vuur te liggen. Uit vele hoeken komen klachten over willekeurige opsluitingen, folteringen en executies van politieke gevangenen. Zijn imago krijgt over de hele wereld rake klappen. De SAVAK is zijn beruchte geheime inlichtingendienst, opgericht met de hulp van Amerika in 1957, ten tijde van de Koude Oorlog, als een instrument tegen de dreiging van het communisme.
Wie anti-royalistisch is, is er bang voor. Eerst communisten, later ook islamieten die hevig rebelleren, worden hardhandig aangepakt door de SAVAK. Pas vanaf begin jaren 70 krijgt de Shah hiervoor internationale kritiek. It's been said that there are some 20,000 political prisoners in Iran. That's not true. We have about 3,000 and not more. Some people have even said that there are between 25,000 and 100,000 political prisoners. You deny this? Do I deny it? First of all, it's our business and not any of their business. But the truth, the reality is that we have not more than 3,000. Quand j'étais étudiant dans les années 70, je me rappelle très très bien que même chez nous à l'université, à cause de ces révélations des prisonniers politiques, etc., que le Shah avait une image de plus en plus négative. Oui, la SAVAK, on a beaucoup parlé de SAVAK, comme tous les pays, ils ont des polices secrets qui doivent prendre soin de la sécurité du pays. Ils ont fait des choses qui sont bien, ils ont fait peut-être des choses qui ne sont pas bien non plus, comme toutes les polices secrets du monde. Et maintenant, les pays dépensent des millions pour montrer l'image et tout ça. Et c'était des erreurs. Il aurait fallu qu'il y ait des personnes politiques qui comprennent, au lieu de mettre un tel en prison, il faut faire autre chose. Bon, ça a fait du mal, c'est vrai. Je pense que c'est surtout pour mettre pression sur le roi qu'ils ont fait tellement de problèmes avec la SAVAK et toutes ces propagandes. For at the same time as some in the West portrayed him as an oppressive dictator, Western leaders were urging him to spend billions to become the policeman of the Gulf. Het Westen neemt een tweeslachtige houding aan tegenover de Shah, wat voor veel verwarring zorgt. Shah Mohammed was koning van Iran sinds 1941. De dure oliecontracten met Amerika en Groot-Brittannië heeft hij van zijn vader Shah Reza geërfd. Protesten tegen dit oliepact met het Westen, zowel van communisten als van islamieten, heeft Shah Mohammed telkens neergeslagen, soms met de hulp van het Westen. Het onderlinge bondgenootschap was ijzersterk, tot begin jaren 70. This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17. Good evening. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. Even before today's meeting began, there was an announcement in Kuwait that prices for Arab oil were going up. A huge increase voted in an overnight meeting without even consulting Western buyers. Bovendien wil de Shah de Iraanse olieproductie nationaliseren. When our present contract is finished, the best thing that could happen is that we producing countries or owners of that underground wealth, which unfortunately one day is going to finish. The best way is that we produce it ourselves, on our own. We refine it, we transform it into various products, and the oil companies, the same or new organization, I don't know, this depends on the other side, will come here or in other producing countries just and only as buyers. Nous étions fiers de la nationalisation parce que sur les stations de pétrole, c'était marqué BP, British Petroleum. Et puis nous, on disait benzine Pars, c'est-à-dire le pétrole, de l'Iran. Do you think our inflation in the Western world is our own fault? Not mine, anyway, because it started well before we increased the price of oil. You can't say that we increased the price of oil all of a sudden, because for 20 and some odd years, maybe 24 years, we have just been terribly exploited in a very mean way.
De prijsstijging betekent voor het Westen het begin van een economische crisis met als gevolg onder meer de autoloze zondagen. De Sja wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. Quand le prix du pétrole a augmenté, l'Occident a dit vous voulez détruire notre économie, alors toutes les critiques ont commencé surtout à ce moment-là. Groot-Brittannië en Amerika zien dit als een regelrechte oorlogsverklaring. Dit hadden ze van hun Iraanse bondgenoten niet verwacht. Est-ce que ça a été la rupture entre le Shah et l'Occident? Je pense que c'est ça. Et peut-être que le roi parfois il parlait trop fort et trop haut contre l'Occident, on aurait dû être un peu plus peut-être discret. Met het oliegeld werkt de Sja verder aan de ontwikkeling van het land. Iran wordt ook naar westerse normen een moderne staat. Er worden wegen aangelegd, ziekenhuizen en bedrijven uit de grond gestampt. De middenklasse van de stad voelt als eerste deze economische opgang. Er komen modieuze winkels, bioscopen, musea en bibliotheken. Jazz, soul, rock, het mag er allemaal zijn in Iran. Iranians, I mean the pre-Islamic Iranians have greeted and have saluted the sunrise and sunset by beating of drums. Farah Diba zelf is een grote voorvechter van kunst. Ze onderhoudt nauwe banden met westerse kunstenaars als Andy Warhol. Voor de allerrijkste van deze wereld bedenken de Pahlavis de Kish-eilanden, een soort luxe resorts in de golfregio. S'il y a des gens qui vous font le reproche de dire c'est trop de luxe au milieu d'un pays qui reste un pays en voie de développement, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur répondrai que bon, c'est un endroit de luxe pour que les gens qui aient de l'argent puissent venir dépenser leur argent ici. Et c'est pour ça que nous avons créé ce complexe. Et l'argent que les gens vont dépenser va être au bénéfice du pays, bien sûr. Maar met luxe resorts voed je geen mensen. Door periodes van extreme droogte op het platteland trekken steeds meer arme boeren naar de stad, waar ze in sloppenwijken terechtkomen met weinig uitzicht op een betere toekomst. In de moskeeën krijgen ze brood en water. En daar horen ze de preken van de imams die de boodschappen van de nog altijd verbannen Ayatollah Khomeini verkondigen. On n'a pas bien réagi, vraiment. Je ne peux pas croire que... Comment les gens, pour aller avoir la liberté, la démocratie, ont choisi Khomeini et des religieux. Maintenant, quand on pense, on n'a pas bien réagi, on n'a pas bien contrôlé les problèmes. In 1978 is Khomeini nog altijd verbannen, maar hij kan niet langer in Irak blijven. Frankrijk biedt hem onderdak. C'est vrai que la France a demandé à l'Iran s'ils peuvent accepter Khomeini. Le roi a dit oui parce qu'il pensait que Khomeini à Paris c'est autre chose que s'il allait en Libye ou je ne sais pas ailleurs. Khomeini slaagt erin om ook vanuit Frankrijk zijn strijd verder te zetten tegen de monarchie. Zijn manifesten, brieven en later ook cassettes met toespraken worden door zijn aanhangers Iran binnengesmokkeld en verspreid onder het volk. Pourquoi lui donner tout temps de possibilités de télévision et de radio et de cassettes et de publicité? Et puis la CIA avait loué une maison, mais il y a toutes ces vérités qui sortent maintenant à côté de lui. Mais comment vous expliquez que l'Occident est, comme vous le dites, tombé dans ce piège de Khomeini? Est-ce que les Américains ou l'Occident pensaient que pour arrêter le communisme d'arriver en Iran, qui est un pays quand même très important, et puis jusqu'au Golfe Persique, l'islam va arrêter le communisme? Et je ne sais pas. Allez leur demander. Voor Amerika en Groot-Brittannië is de Sja een verwende rijke monarch geworden, met wie ze niet meer kunnen onderhandelen. Ze steunen Khomeini.
Die heeft intussen ook een groot deel van het Iraanse volk achter zich gekregen. Islamieten, communisten en linksprogressieven verenigen zich tegen de Shah. Het volk komt massaal op straat. Comment vous expliquez cette coalition? Il y a des personnes qui étaient de gauche qui disent on nous a volé la révolution. Je dis vous êtes allé dans la rue, vous avez crié Allah Akbar, Khomeini Rahman, c'est-à-dire Allah est grand et Khomeini est le leader. Vous n'avez pas dit vive Staline, vive. Vous n'avez pas chanté l'international. Es lebe Khomeini! September 1978 wordt gezien als een keerpunt in de straatprotesten tegen de Shah. Die dag openen elitetroepen het vuur op duizenden betogers. Vanwege het groot aantal slachtoffers heet die dag voortaan Zwarte Vrijdag. Kort nadien moeten de Pahlavis noodgedwongen vertrekken. Dit betekent het einde van de 2500 jaar oude monarchie. Khomeini keert terug naar Iran als grote overwinnaar. Que Mohammad Reza-e Pahlavi, in khaen khabis, baraye ma raft farar kard va hame chiz ma ra be bad dad. Mamlekat ma ra kharab kard, qabristan haye ma ra abad kard. Mamlekat ma ra az nahiye iqtisad kharab kard. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم سالهای طولانی با همت همه مردم. Vele aanhangers van de Shah worden door het nieuwe regime onder leiding van de geestelijke geëxecuteerd. Je vois aujourd'hui les gens, ils disent quand ils parlent de lui que Dieu est son âme. En son temps, on avait ceci, en son temps, on avait ça. Surtout les jeunes et les femmes qui sont éduqués maintenant, qui regardent l'Internet et savent ce que l'Iran aurait pu être. Ce que l'Iran était en son temps, avec tout ce qu'on faisait pour les jeunes, pour les femmes. Maintenant, les femmes qui sont malmenées, maltraitées, tués, violés, mis en prison, les journalistes, les ouvriers, les enfants qui mendient dans la rue, tellement d'Iraniens qui sont drogués, il y a tellement de corruption. Les gens le savent maintenant, beaucoup de gens le savent. Quand le Shah est parti, le droit des Iraniens aussi s'est parti. Le roi était devenu trop fort, il parlait trop haut. En on voulait se débarrasser de lui. Kort na de val van de monarchie sterft de Shah in ballingschap aan kanker. Vous pouvez aller à droite. Vous savez? Là-haut? Oui, oui, vous pouvez aller. Ondertussen verliest Farah Diba ook twee van haar vier kinderen. Beide hebben zelfmoord gepleegd. Haar jongste dochter, Leila Pahlavi, ligt hier in Parijs begraven. Zie je het? Ja, arrêtez. Non, arrêtez. Avant. Vous savez, c'est une chose qui est avec moi tous les jours parce que. Vraiment, c'est la pire des choses qui peut arriver à une mère. Faites ici, s'il vous plaît, ici, en bas. Ça va, merci. Il était tellement intelligente, heureuse, elle avait tellement d'amis, et tellement de bon cœur. Je ne sais pas. Les choses de la vie. Est-ce que le fait qu'elle ne pouvait pas vivre dans son propre pays, ça?
Sûrement. Et puis aussi, toutes les difficultés, vous savez, d'être loin de nous. On était dans un autre pays, eux étaient dans un autre pays. Et puis même s'ils étaient avec nous, nous, on était dans un état mental qu'on n'était pas, disons, normaux. Et puis ensuite, d'entendre des choses à la télévision, à la radio, dans la presse. Et tout ça, ça les a beaucoup touchés. Sûrement, ça les a beaucoup touchés. Est-ce qu'elle a eu une cérémonie musulmane? Ou comment vous avez fait? Oui. Il y avait un renier. Ça a été possible ici à Paris? Oui, on ne fait pas de distinction. Non. Il y a eu un religieux qui est venu. Vous vous sentez encore pleinement musulman? C'est-à-dire, une fois, on m'a demandé si je pratiquais. J'ai dit, je pratique le droit de l'homme. Parce que tous ces gens-là qui pratiquent dans toutes les religions, est-ce qu'ils sont vraiment le représentant des bonnes choses que les religions disent? Non. Ça ne prouve rien. Et on le voit tous les jours dans tous les pays du monde, et surtout aujourd'hui. Le jour que vous ne serez plus là, vous voulez être enterré ici? Chez moi, j'espère. On ira. Même si je suis enterré ailleurs, un jour, on va nous ramener en Iran. Ça, ouais. Je suis sûre. Vraiment?